Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Haïti est en proie à une crise profonde. Celle-ci s'est traduite par une stagnation économique et sociale, par la pauvreté généralisée, par les iniquités de toutes sortes dont sont victimes la population haïtienne, telles que les ouvriers, les journalistes, les syndicats, les commerçants, les artisans, les paysans, les militants politiques et autres couches exploitées auxquelles c'est être employés intellectuels, petits et moyens, chefs d'entreprise, enfin par les peu de perspectives offertes à la femme et à la jeunesse en Haïti. Ces problèmes peuvent être résolus. Oui, problème est capable de résoudre, mais pour problème la résoudre, il faut que tout le monde soit conscient des situations socio-politiques, économiques, côté Haïti plongé dans une instabilité qui vient rendre le pays beaucoup plus infernal auprès que Haïtiens avec Haïtiennes. Par contre, si pour y monter, si pour y descendre. Jeune fille et jeune garçon a passé en masque. Journaliste a assassiné en plein midi dans l'exercice fonction. Haïti n'est un véritable kachouboumbe. L'île est le temps pour le peuple haïtien prendre conscience. Celle conscience nationale à conscience patriotique là pour arriver à retirer le pays dans une situation tragique, ça, précaire, difficile. Malgré notre pays dispose de grandes richesses telles que le cuivre et les autres minéraux, un grand potentiel hydraulique, de grandes étendues de forêts, un vaste littoral riche en espèces maritimes, une surface cultivable plus que suffisante, etc. Il dispose en outre de la volonté de travail et des progrès des Haïtiens. Alors d'où vient l'échec? D'où vient le problème? D'où vient l'échec depuis 1806 à nos jours? Le syndicat était fondé en 1986. Il était le SEEH, qui était le syndicat des employés de l'électricité d'Haïti. Bien bonnet, dans l'année 1991, soit 1er-2-3 mars 1991, il va le transformer en FESTRED, qui est la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti. Dans ce sens, je dis à une fois encore, nous, là, pas tout à fait pour un bon bilan de 36 ans, nous avons dit FESTRED, nous avons milité, à travail. Mais cependant, comme nous connaissons, et dans le mois, dans l'année qui se passe là, le comité, le bureau exécutif national FESTRED, là, c'est un congrès qui était fait. Tu as été élu, tu as dit, nous, un bureau exécutif qui pour mener à bon port et activité, organisation, qui pour entreprendre, tout ça, la banque entreprendre, qui employé, fait choix à un bureau exécutif qui pour mener ma organisation. Alors, c'est ça, nous connaissons. Dans le mois qui s'est passé, on a dit, l'année qui s'est passé, plus précisément en 2020, il y a M. Présumé qui était venu ici, qui a décampé face à lui-même par rapport avec. Par rapport à quand il est sale fait, même boîte déjà nous a dit non, pas la peine, monsieur, ça a été venu diriger boîte là. Et bien par la suite, gouvernement parlant, il est arrivé, installé. Alors rapidement, on a dit, nous sommes capables de comprendre que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, nous avons tout la bataille, grâce à la résistance, reste dirigeance fiscale de l'autorité, avec ensemble d'employés qui ont continué la bataille là. Alors nous-mêmes, je dis, employés, les gens qui étaient là, qui occupent l'espace là, ils ont entendu la raison. De la raison, une fois pour toutes, de décider, bas espace ça à ensemble élus qui te sorti dans le congrès, qui vous occupé, on t'a dit mener syndicat à bon port, ça veut dire, on t'a parlé de bureau exécutif national FESTRED là. Eh bien, je ne le dis encore une fois, c'est avec la contentement, c'est avec un peu de fierté, on t'a dit, pas tout à fait fêté, mais organisation qui est 36 l'année, 23 mars 2026, 23 mars 2022, ça fait 36 l'année. 36 l'année, nous avons dit 36 ans de combat, 36 ans de résistance, 36 ans de lutte. Nous connaissons le moment de haut, le moment de bas, par rapport à diverses batailles, FESTRED menées à travers le pays,
par rapport à l'écoute qu'on gagne gouvernement qui pidio gouvernement avant nous connaît avant 86 c'était bail gouvernement tête chargée sur Duvalier et par la suite une 7 février vient fête et peuple là vient prendre destin même j'ai tout employé DH vient prendre responsabilité pour mettre syndicat ça à camper et bien je le dis nous même nous là nous continuer prendre responsabilité nous ensemble avec employé DH pour nous mener un bataille syndicale parce que qui ça lié maman loi pays a article 35.3 il dit clairement li bay droit liberté d'expression côté que nous permettre pour nous organiser en association syndicale pour nous capable permettre à ce que responsabilité nous yo pour nous faire ressortir pour nous travailler en commun ensemble avec employeur avec monde tout qui dirigeant on t'a dit et DH nan moment pour raison pour l'autre qui pour mettre nous même nous font seul avec eux l'un d'un seul pour chailler revendication c'est chailler revendication employeur pour mener à bon port nous toute là nous constater zone métropolitaine là n'a dit sorti de centrale Pélig département l'ouest département centre qui pour marier associé ensemble avec département l'ouest là je le dis nous gain seulement 45 à 50 mégawatts parfois les 42 mégawatts qui pour département centre et département l'ouest. Pour quelle raison? Un, nous connaissons Pélig, gain trois turbines qui t'a supposé à fonctionner, mais gain une qui en panne, gain une turbine qui en panne depuis vieille date, c'est deux qui opérationnel. Donc deux qui opérationnel là, qui opérationnel là, c'est un Shell qui a marché. Parfois n'a pas exploité pas même à plein temps, n'a pas exploité jusqu'à 10, 11 ou 13 mégawatts, tandis que groupe sort qui a exploité jusqu'à 18 mégawatts. Ça qui arrive, c'est parce que niveau lac là, il est très bas. Il est très bas, il a 158 jusqu'à 158, 158, parfois il compte 157 mètres cubes d'eau, il compte 158,5 et parfois il compte 160 mètres cubes d'eau. Mais je ne veux dire, nous avons une situation qui est vraiment critique. Ça vient faire que c'est seulement un seul groupe qui a fonctionné Pélig. C'est ça qui vient de rendre que nous avons une situation pareille. Alors nous prenons Central E-Power, nous connaissons l'État haïtien, gagné. Et m'a dit contrat d'achat d'énergie ensemble avec. C'est lui-même qui a produit environ 22, 23 jusqu'à 25 et jusqu'à 28 mégawatts. Ou prend centrale et Carrefour 1 et 2, 1 et 2 qui vraiment pas opérationnel parce que il y a des groupes qui réellement qui pas en fonction. Nous prend centrale Vareux qui vraiment dans la même situation côté gain des groupes qui des travail qui mandé pour faire là-dedans travail ça beaucoup fait et c'est ça qui fait que je le dis à nous une situation vraiment lamentable nous gain à peu près 45 parfois 42 jusqu'à 50 mégawatts qui disponible pour zone métropolitaine pour seulement on a dit 47 circuits parfois c'est 8 10 circuits qui alimentés pendant une 2 heures ou 3 heures donc nous alors je le dis à Festred en tant que fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'Île d'Haïti, li clair là-dessus. Nous connaissons un processus qui est engagé qui pour mettre l'EDH dans une situation difficile ça yo, l'État haïtien à travers ministère des Finances qui compte arriver gagner des subventions qui clair qui pour aider EDH à passer cap difficile ça yo. Je dis à nous constater ministère des Finances rete bébé et c'est ça que fait n'a dit docteur Ariel Henry. Il faut que tu prennes responsabilité en tant que chef gouvernement qui peut mettre passer d'institution formelle à ministère finances qui pour débloquer des fonds un pour aider réparer centrale Carrefour centrale Vareux et ensuite joindre carburant qui pour permettre de fonctionner libre qui va permettre répondre à la population on t'a dit on petit bail qui permettre population capable de lumière 18 mars dans la soirée un discours qui passait dans médias, sous télévision en particulier, mais bon, que partager tout sous divers réseaux. Et l'un discours ça, il abordait plusieurs problèmes qui kembe pays à cœur, gagnait le numéro un, affaire insécurité, gagnait crise politique là, et au niveau économique, gagnait toute conséquence que la guerre qui pétait en Europe de l'Est capable gagner sous Haïti particulièrement l'ensac concerné prix gaz et où qu'on est le prix gaz changé et ça gagner une conséquence un effet sous toute qualité secteur activité dans la vie nationale là.
Et puis, li parle tout sous question la justice avec nomination juge qui fait. Donc, voilà, c'est les principaux sujets que Ariel Henry abordé dans le discours là que nous partageons avec vous en façon pour gagner une connaissance complète de ça qui dit. On vini sous le premier thème là qui est important pour tout le monde, ces affaires insécurité. Haïtienne, haïtien, chers compatriotes, ça fait quelques jours, moi j'ai besoin de parler avec nous, mais moi j'ai obligé de faire des déplacements à l'étranger pour me dire ouais avec quelques autres dirigeants dans la zone là et discuter avec eux sous crise n'a traversé Boïcite en Haïti. Déplacement sa yo te bon en pile. Et moi souhaité dans un temps qui pas trop court, dans un temps qui pas trop long, n'a qu'à commencer ouais résultat contact moi te rivé faire. Pays noir gè en pile problème. Sous côté la vie chère avec chômage, insécurité à kidnapping, c'est deux plus gros préoccupations dans le pays qui causaient un pile stress et puis qui mangeaient toute économie au monde gagné et même fait de nous penser ça ne pas posséder. Moi, je voulais dire aujourd'hui, moi, je connais ça n'a pas enduré. Parce que moi-même tout, personnellement, problème là, touché. Moi, tandis réel yo cap sorti tout partout. Chaque fois yo kidnappé yon maman, yon papa, yon timoun, yon frère, yon sœur. C'est tout yon kofami qui frappé. C'est toute société a qui touché. Parce que gangster sa yo pas respecté rien ni personne. Question de sécurité, c'est un gros souci pour le gouvernement. Même gens avec pour le peuple haïtien. C'est chaque jour, mais en contact avec membres CSPN, avec commandant en chef police là. Nous pas fait un pile bruit sous action PNH menée plusieurs côtés. Mais il y a un pile bagaille qui fait. Et la police remporté plusieurs victoires. Mais qu'on est tout le monde à attendre qui le route Matissan a réouvert pour tout le monde avec marchandises qui a circulé libre et libre. Sans personne n'a besoin de peur pour la vie. L'État doit reprendre contrôle tout territoire. C'est trop attendu. La pérèse doit changer quand? C'est pas citoyen honnête qui vous paie bandit. C'est bandit qui pour paix la police. Des monde qui fait vieux bruit courri sur réseaux sociaux. Comme qui dirait, la police t'a arrêté bandit et puis monde dans pouvoir t'a relé pour faire la guerre. Gouvernement m'a dirigé à pas jamais tolérer modèle agissement sa yo. Si un citoyen gen preuve yon bagay kon sa ta fait, fem konnen nan moun nan, m'a fait yon enquête et m'a tracé yon exemple. M'a répété ça m'a toujours dit a. Nou pa nan business protéger bandi. Place bandi c'est nan prison ou sinon en batè. En plus, affaire sécurité, pays noir
risquait prendre gros frappe à cause de la guerre qui éclatait en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde capte des nouvelles. Connaît ça va le faire, ça a commencé à faire tout prix monté tête nègre dans le monde entier et la caille nous tout. Gaz pour monter, farine pour monter, engrais pour monter, et des possibilités pour prix en pile l'autre produit monter tout. Là, nous avons fait ajustement dans le prix gaz. Le baril pétrole là, était à $85. Jodia, nous tous fait radio, nous tous gardons la télévision. Nous avons le prix baril là à canaler monter. Il est arrivé $125. Ça prend ben nous en pile tête chargée. Et nous connaissons, nous ne pouvons pas supporter une autre grosse augmentation. Je travaille avec mon gouvernement pour nous voir qui j'en ai fait pour nous gérer ça. Je demande à tout ministre dans le gouvernement pour réfléchir sur l'impact de la guerre pour gagner sur l'économie du pays. Et puis, proposer des mesures pour nous prendre pour soulager ça qui est plus mal. Je vais demander à la Russie de camper sous le bombardement lié sous l'Ukraine. Respecter l'indépendance voisin lien. Bail diplomatie a une chance pour la paix qu'à retourner. Ça pi bon pour tout deux pays et pour reste monde là y compris Haïti. Pour gouvernement bay ça qui pi faible yon support faut que nous dégager nous pour mettre Jean-Jacques pour plus cob rentrer dans caisse l'état. Tout monde qu'on est, l'État a perdu chaque an dans la douane, pardon, dans DGI, plus passé $1 million américains. M'a dit tout le monde qui a fait contrebande, ça y est qui pas payé, ça y est doué. Comme ça doit, nous pas qu'à quitter ce peuple-là à périr dans l'État, pas jouer un moyen pour faire rien pour eux. Alors que des gens qui ont milliardaires sous l'État. Dans la semaine qui s'est passée, le gouvernement tenant gros discussion avec le Fonds monétaire international. Négociations bien passées. Et j'ai pile raison pour moi, nous avons joindre un accord avec eux dans le jour qui est venu. Déjà, plusieurs années, FMI a refusé de signer un accord avec Haïti pour toute qualité de raison. Mais je dis, grâce à la discipline du gouvernement, dans la gestion des finances publiques, grâce à l'effort du peuple haïtien, qui te comprend le choix que nous avons fait, yo, le nous avons ajusté le prix du gaz, là, FMI prend nous au sérieux et commence à faire nous confiance. Depuis l'accord a fin signé, toute institution financière internationale ou bilatérale qui est suspendue aider Haïti a recommencé à appuyer nous. C'est pas un gros soulagement pour le budget de l'État qui
dans le temps difficile qui est devant nous. Revu les principaux aspects de discours ça qui concernait question insécurité, nous parler sous perspective économique yo, et puis l'autre thème que aborder c'est thème politique là bien entendu en nous écouter ensemble. Dans l'école politique moi sorti hier. Dialogue c'est plus bon moyen pour résoudre problème en général. Et problèmes politiques en particulier. Depuis que je suis en tête du gouvernement, c'est ça que j'ai toujours dit. Et c'est ça que j'ai fait. Je continue à loger même par tous les compatriotes qui ont aimé où Haïti est sorti dans la crise liée là. Je dis à devant l'opinion publique nationale et internationale là. M'a lancé un appel solennel à toute partie politique, y compris et surtout compatriotes qui sont dans le groupe Montana yo, et ça qui était dans Peigno, à secteur privé formel et informel, à secteur religieux, à toute société civile en général. Pour nous toutes, vine chita, pour nous construire dans la tête ensemble un consensus largement large sur des questions fondamentales pour l'avenir du pays. C'est-à-dire, élaboration à adoption de nouvelle constitution. Et organisation bon jan élection pour peuple haïtien qui a choisi en toute liberté femme à garçon livré remettre direction pays au niveau national tant qu'au niveau local. Tout haïtien qui dit que c'est démocrate pas d'affaire pour un problème avec des questions ça yo. Il n'est pas d'adoué trop difficile, non plus. Pour nous joindre, yon entente sous yo. Personne n'a pas gen droit veto sous avenir peuple haïtien. Nous devons, depuis Kounia, mettre en place yon conseil électoral crédible et impartial. Et pour commencer le travail pour préparer échéance électorale qui a bien pour arriver, vle pas vle. Nous perdons trop de temps dans chez Repit. Nous perdons trop de temps dans faire manœuvre avec distraction pour montrer c'est nous qui sommes plus bons. C'est nous qui sommes plus vle dialogue. L'île est temps. Pour nous créer conditions pour nous sortir pays dans tout côté mauvaise gouvernance, la guerre. Haïti besoin unité. Haïti besoin sécurité. Haïti besoin stabilité. Chaque monde doit prendre responsabilité dans ce sens ça. Les difficultés, ce n'est pas lever parti, ni qui craser, ils ont quitté ça. C'est pour nous camper, vous-même, pour nous faire face à des problèmes. C'est dans le dialogue, pour nous chercher et pour nous trouver une bonne solution. Nous ne sommes pas obligés d'accord sur toute bagaille pour nous travailler ensemble. Mais nous devons entendre pour sous l'essentiel. C'est ça que je propose à tout acteur aujourd'hui. Je compte sur tout haïtien et toute haïtienne de bonne volonté
pour venir mettre main dans combite pour sauver la démocratie en Haïti. Il y a plusieurs pays dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, et parmi membres de l'Organisation internationale francophonie, ça y est l'OIF, qui paraît pour venir accompagner nous et porter concours que nous avons besoin pour aider nous à joindre plus bonne stratégie à tragédie dans la traversée et sortir pays dans la cité. Haïtiens, Haïtiennes, chers compatriotes, moi-même, avec tout gouvernement, nous parer pour dialogue là. Nous parer pour grand combat là. Et vous-même. Merci. Ça, c'est une autre fois Ariel Henry qui t'a exprimé le discours à la nation vendredi dans la soirée, vendredi 18 mars, et l'y aborder dossier politique là, Jean nous entendait là, donc y ont disponibilité pour dialoguer, mais en même temps, nous voyons que Ariel Henry va varier du tout sous perspective que l'y gagnait, ses perspectives élection avec un CEP que yote dit qui paraît déjà après que yo fin changer constitution. Donc deux éléments ça yo invariable dans toute perspective que pouvoir mettre kounien alors que plusieurs secteurs politiques disent que li pas possible pour capable kounien à parler de élection organiser élection dans un pays côté sécurité a c'est un problème capital que lié ou pas qu'à circuler dans pays et pas gagner aucun moyen pour assurer la sécurité pour tout le monde pour tout secteur qui t'a voulu lui-même prend responsabilité dans processus électoral qui t'a gagné pour faire. Eh bien donc en condition ça il n'est pas possible pour parler de élection et premier problème qui pour ta résoudre là d'après en pile monde qui accordé sur ça c'est question sécurité et yon dans secteur que Ariel Henry interpellé directement c'est groupe que Yorile Montana qui rivé à un accord entre yo et qui vinn yon interlocuteur principal pour pouvoir qu'il a après que yo fin joine un accord tout avec PEN eh bien yo même yo dou nous parlons avec plusieurs fois tout yo dit que n'est pas possible qu'on y ait pour parler de élection sont pas assurés une série de préalables question ça eux yo te fait valoir tout dans rencontre yo te gagné pas gain trop longtemps avec Anne Witkowski, c'est secrétaire d'État adjointe américaine aux opérations de conflit et de stabilisation qui était en Haïti semaine passée et il était rencontré tout avec pouvoir avec Ariel Henry premier ministre qu'il a et il était dit que objectif voyage qu'il était fait mission qu'il était fait en Haïti a, c'est pour te voir comment tout secteur est capable de prendre route, dialogue, et puis pour arriver dans une situation côté au cas où le pays ça dans une stabilité. Et en parlant des États-Unis, d'une part, où gagnait gouvernement américain, mais d'autre part, où gagnait parlement américain. Même si le parlement américain n'a pas prononcé formellement sous crise là, pour le moment, mais gagnait des parlementaires qui adressé au président Joe Biden, c'était le 17 mars à travers une lettre vous voyez Bali, c'est 8 parlementaires qui signent ça, vous voyez Bali. Côté dit cher président Biden,
En tant que membre du Congrès, nous nous engageons à renforcer les relations bilatérales et commerciales avec la République d'Haïti, la deuxième plus ancienne république de l'hémisphère occidental. Cependant, nous sommes profondément préoccupés par la crise politique en cours dans le pays. Par conséquent, nous exhortons votre administration à permettre au peuple haïtien de déterminer son destin politique en soutenant le consensus entre les acteurs politiques, la société civile, les secteurs religieux et privés pour créer une transition démocratique dirigée par la société civile. En raison de l'ampleur des problèmes d'insécurité en Haïti, il est impossible de tenir des élections dans ce climat. Parlementaire américain ça a eu sous même position ça a tous et vision ça a eu gagné ou par comment pour élection al fait l'en condition ça a eu en Haïti. Il a rappelé en 2016 environ 21% des électeurs ont participé à l'élection présidentielle alors que les élections sont souvent un signe de démocratie. La tenue d'élections dans un climat où les citoyens ont peur de quitter leur domicile, de peur d'être kidnappés ou tués, compromettrait gravement le processus électoral. Par conséquent, votre administration doit donner la priorité à la paix. C'est comme ça, parler avec Joe Biden. Votre administration doit donner la priorité à la paix, à la sûreté et à la sécurité. Les élections sont nécessaires, mais pas suffisantes pour apporter la stabilité dans le pays si les conditions optimales ne sont pas réunies et si le consensus entre les différents secteurs n'a pas été atteint. Nous pensons qu'il existe une voie vers une transition démocratique en Haïti soutenue par le peuple haïtien. Cependant, toute mesure prise pour conduire à une telle transition a des chances de succès limitées si les États-Unis continuent de soutenir le gouvernement de facto du docteur Ariel Henry, qui n'a aucune incitation à négocier de bonne foi tout en bénéficiant d'un soutien sans entrave des États-Unis. Il ne fait aucun doute que certains aspects de la politique américaine envers Haïti ont miné le développement, la paix et la sécurité de la nation. Cependant, nous avons une chance de réparer nos erreurs passées et d'aider le peuple haïtien à mettre son pays sur la voie d'une véritable démocratie. Le moment est venu. C'est ça, parlementaire américain Sayo écrit, congressman Yo. De plus, le soutien de votre administration au docteur Henry semble contradictoire avec votre objectif déclaré selon lequel les États-Unis ne feront pas pencher la balance de la politique haïtienne. Le docteur Henry manque de légitimité, d'après parlementaire Sayo, pour organiser des élections et n'a pas le consensus nécessaire pour galvaniser le peuple haïtien aux urnes. La légitimité du docteur Henry vient de la communauté internationale, pas du peuple haïtien. C'est ça que soulignait de façon critique. Nous sommes conscients qu'un nombre croissant de sociétés civiles, du secteur privé, d'organisations politiques en Haïti se sont mobilisés pour offrir une voie inclusive plus représentative pour orienter Haïti vers la direction d'une démocratie durable. Là, probablement, il y a parlé de processus Montana, sans repasser-t-il directement. Nous espérons que votre administration prendra des mesures significatives pour s'engager de manière substantielle avec ces groupes. De plus, nous sommes profondément préoccupés par le fait que sous le gouvernement Henry, il continue d'y avoir peu de progrès dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse qui a eu lieu en juillet dernier et que ceux qui enquêtent sur l'affaire en Haïti ont fait l'objet de menaces
et d'intimidation. Il est crucial que les auteurs intellectuels et ceux directement impliqués dans l'assassinat du président Moïse soient tenus responsables pour apporter de la clarté et aider au mieux Haïti à résoudre sa crise politique. En tant que membre du Congrès, nous demandons instamment à votre administration de prendre les mesures nécessaires pour nous tenir informés de l'enquête et d'examiner de manière approfondie et de divulguer tout rôle que des citoyens ou des organisations américaines pourraient avoir joué dans l'assassinat, y compris toute personne ayant précédemment travaillé comme informateur pour les États-Unis. Et en conclusion, nous demandons humblement que votre administration, donc l'administration Biden, permette au peuple d'Haïti de déterminer son propre destin politique et de retirer son soutien au gouvernement de facto, aider les acteurs travaillant à enquêter sur l'assassinat et à faire face à l'insécurité et à d'autres défis institutionnels, et soutenir des élections libres, justes, transparentes et inclusives en Haïti seulement après que les conditions de sécurité et politique le permettent, telles que déterminées par le peuple haïtien. Les politiques émanant de Washington doivent être conformes à la volonté du peuple haïtien, aux idéaux démocratiques et à l'état de droit. C'est comme ça, parlementaire Sayo finit lettre. Yo voye 17 mars by Joe Biden nan moun ki siyen. Se Sheila Sherfilus McCormick, se Andy Levin, se Hakeem Jeffries, Yvette Clark, Val Demings, Mondaire Jones, Dwight Evans, et puis Aina Presley, c'est eux-mêmes 8 congressmen sa yo qui voyaient let sa by Joe Biden côté yo faire une analyse situation Haïtien et puis yo invité exécutif américain pour prendre une série de dispositions notamment pour pas continuer soutenir dans l'état actuel gouvernement qu'il a et puis pour favoriser une transition qui capable accompli sa peuple haïtien aptan. C'est ça donc que parlementaire américain ça a souhaité. Et sous ça, il faut que nous dit, nous pas qu'à cacher, il y a des commentaires nous qu'a fait et si nous résumons comme ça, nous t'a dit que parlementaire américain ou bien parlement américain li gagnait vision pâle, li gagnait affaire pâle. Exécutif américain lui-même, à travers notamment Maison Blanche et Département d'État, il a gagné en fait pas, yo, mais il n'a pas fait compte, surtout pour Haïti, il n'a pas fait compte. Et puis, bout pour bout, on pourrait arrêter comme ça, on pourrait question à évoluer jusqu'à ce que une élection faite, j'en le fait, quel que soit j'en le fait, non, et puis après le jour, on a passé à autre chose. Et puis, on va voir que crise là dans le pays d'Haïti pourra continuer à engraver pire. C'est ça que nous toujours vivons et c'est comme ça, ça toujours passé. D'où la nécessité pour que gagnent des analyses concrètes qui faites dans le pays d'Haïti pour exactement sa force politique en place yo capable de faire, qui consensus que yo capable de joindre pour yo même yo capable de faire pays yo avancer. Dernier aspect l'en discours à la nation Ariel Henry pour nous venir sous li concerner l'autre question cruciale à part de question politique là, à part de question sécuritaire, à part de perspective économique, yo, c'est affaire nomination juge et sous ça li fait annonce vendredi 18 mars l'en à souhait. Malheureusement tan difficile sa yo a privé sou nou nan yon moment kote tout institution nou yo dysfonctionnel. Fòk tout ayisyen konprann, nou pa ka kite peyi a krasé net nan men nou. En tout cas, mwen pa soti pou sa arrive pandan mwen gen responsabilité dirije gouvernement. C'est peut-être ça. Après un pile
consultation à divers secteurs, à campi moun qui savait dans question la loi, nous prenons décision pour ne pas quitter tout criminel dans le pays à fermer parce que gen en pile juge mandat est fini. Dans le conseil des ministres, nous faisons ce fait là. Nous renouvelons le mandat 58 juges. Sous liste, je te soumets nous. Nous faisons évaluation. Et nous écartons tout ça qui a plainte, qui dépose contre nous, jusqu'à ce que l'enquête CSPJ finisse. Il faut que nous remembrions le système judiciaire. Pour le peuple haïtien qui a recommencé à faire la justice, pays a confiance. Puis devant, nous avons gagné pour nous nommer juge dans l'autre juridiction pour nous rendre le système judiciaire fonctionnel. Il y a un petit groupe qui a dit nous, pas de droit à mettre juge parce que tu as préféré toute bagaille bloquée dans le pays. Mais comme responsable, nous n'avons pas qu'à permettre ça arriver. Moi, j'ai toujours dit ça. Voilà, donc ça, c'est Ariel Henry qui t'a parlé du dossier judiciaire là, nomination des juges. Il parlait de un petit groupe qui toujours campé contre le fait que l'exécutif là capable de nommer juge comme ça. Eh bien, sous ça, on a rappelé que c'était fin février déjà que tu as gagné une dizaine d'organisations qui t'ont dénoncé un projet que dit qui c'est un projet inconstitutionnel de nomination illégal de juge à la Cour de cassation. C'était une quantité organisation là-dedans. Nous avons plateforme des organisations haïtiennes de défense de droits humains, commission épiscopale justice et paix, nous avons réseau national de défense des droits humains, centre Carl Lévesque, fondation, groupe d'alternatives et de justice, programme alternatif de justice, mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement, Conseil national des acteurs non étatiques, Bureau des avocats internationaux, CAIFOM et puis Solidarité Femmes Haïtiennes. Dossier question nomination juge, c'est un dossier nous va gagner pour nous retourner sous lit. Donc avec ça, nous compléter pour tout discours à la nation que Ariel Henry t'a fait écouter l'aborder. Quatre gros thèmes, nous te disons, la question politique, la question de la sécurité, la question économique et les perspectives avec la guerre qui gagne un coup et puis la justice nous fait, attendez, n'a complété le pis devant.